aujourd'hui. Il est mort ce pneu là. Il commence à être cuit. Hein voilà, il est censé être comme ça. Bon, Guigui, on a fait quoi sur cette moto? On a changé ça, tout ça. Qui coûte une blinde parce que le pas de vis était mort. Je sais que c'est un peu une maladie sur certaines, sur certains modèles. Le pas de vis est assez fragile, donc faire attention. Si vous en avez une, attention. Sur le petit Magura qui fonctionne très bien d'ailleurs. On a aussi changé, hop, le guide chaîne. Et là, le pneu, il va y passer. C'est là que les choses sérieuses commencent. Ce fut laborieux, ce fut compliqué, mais nous sommes parvenus à enlever ce pneu. Donc voilà, on va garder le bimousse. Maintenant, il faut monter le nouveau. Regardez-moi ça. Si on fait pas bien la mécanique, nous. Très important, il a cassé une fois ce gripster, pas deux. Allez, on va nettoyer la jambe. Trop bien fait le 4 écoute. Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Oh là là, j'en rêve de monter là-haut là. Vas-y! Je veux pas que je passe derrière. Il aurait peut-être peur que je lui mette la pression ou pas. Hein. En vrai, on roule pareil, on s'en fout. Ça risque d'être drôle là, avec le tronc en bas. Ça mène.
on n'a pas l'habitude de s'asseoir, ça économise pas du tout genre moto. Vas-y. Au final moi ça me fait plus mal au bras en descente parce que le frein moteur fait que on doit se retenir ultra fort sur les bras. Et c'est vraiment ça qui fait la diff. Ah ouais. Mais sinon c'est vrai que bon après quand on a toujours un petit doigt sur l'embrayage au cas où la moto prenne trop de puissance, trop de grip. Mais autrement moi je sais que je me régale. Et voilà, vous voyez c'est là ici. Ça peut vite être tendu, surtout avec le poids qui peut embarquer. Mais en montée, c'est pas tant un problème que ça. Donc là, bien se faire rouler. Vous voyez là, par exemple, le frein moteur, il fait forcer sur les bras là où avec un dedans, en fait, bah, on roule. On peut se laisser descendre. Mais là, en fait, faut mettre une vitesse au-dessus et le problème c'est que ça emporte aussi dedans quoi. Fallait prendre v'là l'élan là. Un peu galère, on avait fait dans une vidéo, je vous l'ai mis ici. Debout, j'ai un petit peu de gaz. C'est facile à dire quand t'as un 4,5 ou t'as juste à mettre un filet et ça monte partout. Ça monte pas mal mine de rien, regardez. Surtout en fait la fin, si t'as pas d'élan, t'es cuit. Lâche pas tes gaz. Repars de là-bas debout et ça va monter. T'as vu, même moi en prenant la grosse pierre qui a vers ta roue avant, je suis arrivé à monter. Oui, d'un 35, j'ai un 4,5, mais c'est quand même différent. Voilà. La belle. C'est bloqué.